Bonjour à tous, je suis le Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud du monde de Dory. Donc le monde de Dory, c'est évidemment la suite du monde de Nemo. Ils ont juste changé de nom parce que c'est plus le même personnage principal et au final ça l'est quand même un peu. De Nemo, donc moi j'avais adoré Nemo, je trouvais que c'était à l'époque vraiment une énorme prouesse de Pixar qui avait réussi à m'emplir d'émotions et de m'emmener au fond de ses océans et de suivre ce poisson clown à travers toutes ses péripéties, et je trouvais qu'il y avait vraiment un espèce de souffle épique qui accompagnait son voyage. Et là j'avoue que la suite elle marche forcément moins que le monde de Nemo. Voilà, c'est le problème des suites, c'est que souvent on a tendance à perdre un peu l'intérêt par rapport à ce que c'était du premier, et là c'est exactement le cas. Déjà le personnage malheureusement de Dory, qui pouvait être agaçante dans le 1, mais ça allait, j'ai l'impression, là elle en devient un peu agaçante avec son histoire de mémoire oubliée, parce que c'est un gimmick qui est assez frustrant, juste... Ça, vu que c'est à chaque fois tu fais un pas en avant et trois en arrière, t'avances jamais, et c'est assez énervant de voir ça tout au long du film, surtout quand c'est le personnage qui fait avancer l'action. Ça avance d'une manière assez lente, et à chaque fois il y a de la répétition qui est voulue parce que c'est exprès, mais j'avoue que ça m'a un peu dérangé. Voilà, donc après, le gros de l'histoire va se passer dans un espèce de zoo aquatique. Alors c'était très intéressant et plutôt une bonne idée d'explorer ce monde-là. On sent qu'il y a des choses qui sont intelligemment exploitées. Par exemple, voilà, le bassin où on a le droit de toucher les animaux, qui est un espèce d'endroit qui, au final, pour les poissons, est hyper dangereux, avec des mains comme ça qui viennent truffer le sol. Voilà, c'est un peu le principe de Toy Story au final de Nemo 1, où on inverse le point de vue et d'un coup on découvre à quel point les humains peuvent être horribles et dangereux et menaçants pour les animaux qui sont plus petits qu'eux. Donc ça, honnêtement, c'était plutôt intéressant, même si au final il n'y en a pas tant que ça, des trucs comme ça, et il y a vraiment cette séquence dans le bassin qui fonctionne vraiment bien, et le reste fonctionne que moyennement. Alors il y a toute une critique sur le côté aider les animaux pour les sauver, mais à la fois on les détache leur milieu naturel comme ça sans trop se poser de questions. Enfin, c'est assez intéressant, ça, le propos est assez distillé et pas balancé en pleine face, donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Mais dans l'ensemble, il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu dérangé. Déjà, le premier truc, c'est Claire Chazal. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Il y a une espèce de voix bizarre où il mentionne Claire Chazal. Je trouvais ça assez étrange. Surtout qu'ils y reviennent vraiment jamais. Alors peut-être qu'en VO, je l'ai vu en VF, mais alors peut-être qu'en VO, ça a un peu plus de sens et on comprend mieux. Parce que là, qu'est-ce que Claire Chazal vient foutre là? Je ne sais pas. Voilà, il y a le Poulpe, qui est un personnage plutôt rigolo, qui, on voit son conflit intérieur, mais à la fois, il n'est pas réellement montré. J'aurais peut-être préféré qu'ils nous le disent frontalement, ce qui se passe, enfin pourquoi ce personnage est comme il est. Je crois qu'il l'évoque pas, ou bien j'ai pas compris, mais ça m'étonnerait que j'ai raté quelque chose d'un film comme Le Monde de Dory. Donc ça aurait pu être un poil mieux. Bon, après il est rigolo, il se camoufle et tout. Par contre, il y a un gimmick avec le verre, où il met Dory dans un verre pour la trimballer à travers le truc, et le truc revient plein de fois avec différents verres, et je trouve qu'il y a un moment, ça manque un peu d'idées, c'est un peu un truc fastoche, et les trucs fastoches, ils en ont plusieurs comme ça, comme le coup de la mouette qui vient, enfin l'espèce d'oiseau qui vient les aider à la fin. Genre, c'est un peu un Deus Ex Machina, c'est en mode, hop là, le truc arrive et les sauve. Enfin, bon, c'est jamais très très grave dans ce genre de film, mais à la fois, ça démontre qu'il y a des petits aveux de faiblesse de la part des scénaristes et donc des réalisateurs. Enfin, des petits trucs où ils se disent, bon, allez, on va torcher ça comme ça et ça ira mieux. Et ce qui fait que le film est pas parfait, il est loin de l'être, mais ce qui fait que dans un film comme Le Monde de Nemo, j'ai pas ce sentiment-là quand je le voyais. Et là, je commence à les avoir dans les suites de Pixar, il y a des moments où c'est un peu bancal comme ça. Voilà, alors je trouvais que Dory était insupportable adulte. Autant enfant, j'ai trouvé vraiment qu'il était hyper touchant comme personnage, et tout son truc avec les parents, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui vous prend un peu au cœur. Et je vais pas tout dire, mais honnêtement, c'est vrai que il y a quand même des moments où on a peur, où on est un peu inquiet, et des moments où d'un coup on est hyper content pour elle. Et ce conflit global qui ressemble beaucoup à celui de Nemo, mais qui est un peu inversé, il a quelque chose, il nous touche au fond, c'est quand même touchant, même si franchement j'ai eu peur qu'il nous fasse... j'ai vu le film avec des enfants, donc je me suis rassuré qu'ils allaient dans le happy end, mais j'ai eu peur qu'ils nous fassent des choses étranges, un sad end, ça se dit pas, mais voilà, je le dis. Voilà, non, sinon, il y a des trucs bizarres, par exemple la baleine qui est myope, et c'est jamais réglé comme problème. Voilà, elle est myope, il n'y a pas d'histoire en mode on lui construit des lunettes, ou je sais pas, je pensais qu'il allait avoir un truc de réglé. Ah oui, ah non, elle sort du bassin, elle se tape plus les murs, parce qu'il n'y a plus de murs dans l'océan. Oui, bon, voilà. Bon, des petits trucs qui sont pas extrêmement bien aboutis, faut l'avouer. Et globalement, il y a un truc qui manque, c'est l'humour. Il y a des jolis moments, mais c'est pas extrêmement drôle. Là où les films Pixar arrivaient à avoir une vraie humour sur de lecture, là c'est un peu grossier le côté de lecture. Et c'est pas hyper bien
toujours, enfin c'est pas hyper bien pensé à chaque fois, j'avoue qu'il y a plein de moments où, où j'ai juste souri plutôt que de rigoler. Voilà, bah c'était tout pour le monde de Dory, bah je recommande quand même, c'était pas un mauvais moment, j'étais avec des enfants qui ont un peu eu peur parce qu'il y a plein d'environnements un peu dark, mais bon bah ça après c'est aussi la force des dessins animés de Disney et Pixar, c'est de nous faire voyager, pas seulement dans un endroit illuminé, sinon faut regarder T'es fou ou Gulli. Voilà, bon bah sinon bah je vous souhaite bah plein une vie pleine de cinéma et d'ici la prochaine fois, bonne toile.